D'abord, il crée bien évidemment dans la société française de nouveau. Un trouble, un trouble que le citoyen partage, car depuis 2015, euh, notre pays est exposé à de nouvelles menaces et par conséquent, il faut trouver de nouvelles solutions. La police, la gendarmerie, les militaires, vous l'avez observé depuis plus de deux ans, sont très présents sur le terrain, mmh. mais ils sont accompagnés, très souvent en appui, par des entreprises privées de sécurité. Et nous avons une responsabilité particulière dans le dispositif global de sécurité. Qui apprennent d'ailleurs à, à chaque acte terroriste, et c'est le cas encore cette fois, parce que le. La configuration est assez inédite. La configuration est inédite, mais en réalité les bases sont claires. L'ordre public appartient à la police, la gendarmerie, à l'armée. Les espaces privés sont par nature confiés à des entreprises privées de sécurité, mais dont les prérogatives, bien évidemment, ne sont pas les mêmes que celles de la police nationale. Il faut donc à la fois concilier un impératif de sécurité et le respect des règles de droit de notre pays, et notamment des libertés individuelles et collectives. Ce qui est nouveau dans le cas de Manchester, c'est qu'on a une attaque à la sortie d'un événement et non pas à l'entrée, et que ça se situe dans cet interstice un petit peu entre... Un lieu privé qui est contrôlé, la salle de concert et un lieu public qui est la station de métro ou de train qui est située juste à côté. Ceci montre qu'il faut véritablement une chaîne organisée pour détecter le plus possible en amont le risque.